Bonjour, je suis Marie-Aimée Hess, psychologue, psychanalyste et périnataliste. Je travaille en maternité et néonatologie. Ce livre est né d'une impulsion de René Roussillon qui a dirigé ma thèse sur la prévention des dépressions maternelles du postpartum. Cette affection, la dépression postpartum, reste méconnue bien qu'elle soit un enjeu de santé publique, environ 15% des mères. Aux résistances habituelles, comment comprendre que la naissance d'un bébé suscite angoisse et dépression, s'ajoute une méconnaissance de sa définition et par conséquent des modes de traitement. En effet, même si les femmes qui ont déjà souffert de troubles psychiques y sont davantage sujettes, cette affection concerne plus largement les devenants mères. Donner naissance à un nouvel être humain, assurer sa croissance biopsychique est un profond bouleversement. La subjectivité du bébé émerge de la relation avec ses proches. La dépression postpartum est précisément un trouble du lien premier qui risque d'entraver le sentiment de sécurité et d'estime de soi du bébé. Un bébé a besoin de se faire comprendre et il a besoin de faire de sa mère une mère. Dans ce livre, je présente un dispositif de soutien des communications primitives entre la mère et le bébé. Ainsi aidée, une mère peut mieux se voir, se sentir mère, connaître ce qu'elle ne connaissait pas encore d'elle-même. La dépression s'atténue. Le parcours de l'ouvrage suit l'évolution des connaissances dans le champ périnatal. Après avoir décrit les dépressions postnatales, les cliniciens et les chercheurs se sont avisés de la grossesse, premier chapitre de toute biographie humaine. Sylvain Missonnier. Ainsi, l'ouvrage contient le récit de la psychothérapie d'une femme déprimée pendant sa grossesse. Nous la suivons dans son cheminement pré- et post-natal qui permet ce gain d'identité. « Je deviens fille avec ma fille », dit-elle. Les connaissances récentes rendent compte de dépressions périnatales aussi chez les pères. Ma collègue Anne-Marie Ballin raconte la psychothérapie d'un homme qui souhaite devenir père mais pressent qu'il sera en difficulté. Une dépression paternelle anticonceptionnelle. Nous remontons de plus en plus loin dans l'idée de l'enfant, né, à naître, à concevoir. Nous pouvons nous représenter la périnatalité comme l'emboîtement de deux cercles protecteurs. Le premier cercle, c'est l'entourage des futurs parents, les proches et les professionnels qui accompagnent naturellement le parcours périnatal, sages-femmes et puéricultrices, médecins, TISF et d'autres encore. Ce tissu de relations humaines offre le soutien et les soins primaires. Il peut suffire à atténuer les troubles dépressifs, mais il peut nécessiter un complément, le travail psychothérapique spécifique, deuxième cercle protecteur. Chaque cercle soutient et se soutient de l'activité de l'autre. Les professionnels du champ périnatal trouveront dans cet ouvrage, à travers les récits cliniques originaux et précis, des repères pour orienter leurs réflexions et leurs pratiques. Actuellement, les institutions souffrent d'une réduction de leurs moyens. Cette difficulté ne saurait effacer l'âme de notre travail, le soutien des subjectivités naissantes. Cela nécessite du temps, de l'investissement, comme le montre cet ouvrage. Je remercie les éditions RS qui soutiennent de tels engagements.